Oui, oui. Oui, donc voilà, quelques manifestants se rapprochent de plus en plus. Le rôle que j'ai préféré faire, c'est le corps d'intervention avec ses tenues, avec la matraque et le bouclier, c'était super. Ah, vraiment, c'est impressionnant le travail qu'ils fournissent chaque jour, à chaque moment où ils doivent aller en intervention. Le matériel est assez lourd, donc vraiment chapeau à eux. Section, en tir à l'air, hop ! Et du vide ici, Yvette, on va être contre eux. C'est ce qu'on nous promet, c'est ce qu'on nous promet, c'est ce qu'on nous promet. En section ! Dus het werk hier op CIC is een stukje calltaking, het beantwoorden van de noodoproep 101. Ook samenwerken met de 100, dus ook oproepen 100. Mensen van de brandweer die tussenkomen en die politiehulp nodig hebben. Het andere grote luik is eigenlijk het deel dispatching. En dan voor ons CIC Brussel vooral de federale ploegen. Als mensen naar de politieschool gaan, wordt er niet automatisch gedacht aan die federale steun. Dus het is het multitasken, de stressbestendigheid. Op je pootjes terechtkomen als het een keer een vreemde taal is. Dus een beetje je plan kunnen trekken, mits natuurlijk de toepassingen die we hebben. Je moet kunnen rekenen op je collega's. Dus er is wel een soort van samenwerking. Een stukje is voor u, maar je moet dan wel je stukje kunnen doorgeven aan de volgende. Durant cette visite à la TCA, nous avons fait plusieurs services. D'abord, nous sommes mis dans la peau d'un policier. Nous avons fouillé et mis les menottes. Ensuite, nous avons joué le rôle d'un manifestant. Et ensuite, nous avons fait un petit peu des exercices de matière de l'ordre. On a appris plusieurs choses. Déjà, qu'il fallait garder son calme face à une manifestation. Et plusieurs petites choses de la police, comme fouiller et mettre les menottes. Je me suis sentie vraiment bien et j'ai vraiment hâte de faire les prochaines activités.